Cible marquée. 5, 4, 3, 2, 1. Fumigène ! Attaquez le convoi ! Feu à volonté ! On approche de la cible. Descends par appel. On se bouge ! Avec moi! Ouvrez l'œil, faut s'attendre à tout. Griffin, vous recevez? 5 sur 5, on va comparer par acquis de conscience, mais ça m'a l'air bon. Bien reçu. C'est quoi ce... Prédateur, tirez-vous de là! Major ? Messieurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On remballe ? Pas tout de suite. C'était un sacré coup dur pour notre escouade. Prenez le temps d'en discuter. Si vous voulez prier, c'est le moment ou jamais. Nous sommes pas prêts, chef. Très bien. Allons chercher les fils de pute qui ont fait ça. Vous trouverez les détails sur vos tablettes.
La bombe qui a tué nos hommes se dirigeait vers notre frontière sud. Ils ont payé un lourd tribut pour l'arrêter. Mais c'est un prix que nous payons de notre plein gré pour la nation. Un prix qu'Allen, McGann, Haynes et Biancardi ont payé pour nous. Ils ne sont pas morts pour rien. À l'avenir, essayons d'éviter que cela se reproduise. Cette bombe a dû transiter par une multitude d'intermédiaires pour en arriver là. L'un d'entre eux, Gabriel Paez, veut se mettre à table. Paez est un passeur de seconde zone qui s'est recyclé dans le trafic d'armes. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, et maintenant, il veut se racheter une conduite. Il prétend qu'il n'était pas au courant. Peu importe. Paez est le domino qui fera s'écrouler tous les autres. Le capteur détecte l'ennemi et répercute l'info sur le HUD. Si tout se passe comme prévu, il y aura peu d'engagement direct. Vous savez ce que c'est. Hola. Non. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota. Overlord, ici Hunter. On est au point de rendez-vous. Aucun signe du colis. Merci. Quelle est la situation? C'est le bordel. La maison est sans dessus-dessous. Aucun signe de Paez. Compris. On va tenter de localiser son portable. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ouvrez l'œil. Et préparez-vous à partir en chasse. Hunter, Overlord. On a Paez en ligne. Je vous le passe. Allô? Vous êtes là? Monsieur Paez, mon unité est au point de rendez-vous, prête à vous exfiltrer. On les a regardés. Ils sont après moi. Venez me chercher avant qu'ils tombent dessus. Au marché, vite! Vite, on décolle! Mettez-vous à couvert. Vous n'êtes pas repérés. Ne tirez pas. Il faut d'abord voir s'il y en a d'autres. On lance un capteur. Comme ça, on sera fixé. Contact, pas plus d'une escouade. J'en ai eu un. Oh, ça fait griller! Je recharge. Encore combien de temps?
entendu? Il va falloir grimper tout là-haut. Hunter, Overlord, on a localisé le portable du VIP. On vous relaie son emplacement. Bien sûr. Vous êtes sûr qu'il en vaut la peine? Négatif. Mais la défense veut lui mettre la main dessus. Il sait qu'on est les gentils, au moins. Il sait qu'on est sa seule chance. Il va falloir se contenter de ça. Il n'a pas l'air super emballé. S'il survit, il faudra me rappeler de lui botter le cul. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Déployez un capteur. Sensor. Plusieurs cibles. En position. Ennemi, pile en face. J'en vois quatre, des soldats, on dirait. Restez mobiles! Overlord, Hunter, vous avez des nouvelles du colis? Toujours mobile. Les relevés thermiques ont une forte activité. C'est le branle-bas de combat général. Des escadrons? Et des civils. Faites gaffe à vous, et surtout à vos cibles. Bien sûr. Thank you.
5 sur 5, je vous écoute. Je suis dans la planque. Encore combien de temps? 2 minutes, peut-être 3. Tout va bien? On va faire ça en douceur. Silencieux pour tout le monde. Non, ils sont juste dehors. Surtout, gardez votre sang-froid. Vos chefs m'ont garanti que tout irait bien. J'ai eu tort de vous faire confiance. Restez calme, tout ira bien. Si vous faites ce que je vous dis. Bordel, t'as me brouillé. Paez. Paez. Allez, Ghost, on se bouge. Deux soldats, on déploie les capteurs. Contact, faible effectif. Sur la droite. Je me déplace. À la moindre alerte, ils buteront Paez. Si on se fait griller, ils vont le liquider. Tu vas te faire repérer. Ok, je l'ai eu. S'ils apprennent qu'on rapplique, Paez est fini. On y va discret. Position confirmée. Il est là-dedans. Combien ils sont? 4, plus le VIP. En position. On frappe vite et fort. Go, go, go. Et l'ennemi voit un gars. Overlord, Hunter, on ramène le colis. Reçu, Hunter. Twisting est touché. L'hélico peut voler, mais la zone est trop compliquée. Vous appelez ça un sauvetage? Même la ZA numéro 2 est compromise. On passe au plan B. Changement de programme. On redescend. On avance, allez! Je vais marcher tout seul! Tenez bon. Filez-moi au moins une arme! Je sais pas! Je préférerais éviter que vous preniez une autre balle. Formation en carré autour du VIP. Ok, on y va! Ah, attends, derrière cet bâtiment.
T'as pas besoin d'autant de puissance. Franchement, un V8 de 6 litres 7 à ce prix-là, c'est une super affaire. Sorti. T'es dans une base, pas dans un ranch, ça devrait le faire. 6 litres 7, ça te servirait à rien. Ouais, mais n'empêche, c'est une belle occasion. Essayez, les gars. Ouais, pas mal. Il faut qu'on décolle au plus vite. Vous serez bientôt prêts ? On est rapide. Dans 30 secondes. Je viens de recevoir le feu vert, messieurs. Préparez-vous. Allez. Sorti. Arrête ça. Pepper. Kozak. Les ingés ont réglé vos camos ? Pas mal. Le matos marche nickel, enfin, tant qu'on bouge pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un militaire. Il s'est caché dans un camp de réfugiés. Même fournisseur que nos amis sud-américains, on dirait. Plus d'infos sur vos tablettes. Cet homme que vous avez ramené, Paez, a craché une centaine de noms. La plupart ne sont que les troisièmes couteaux opérant en Amérique latine. Mais nous tenons une piste intéressante. Messieurs, direction l'Afrique. La marchandise de Paez n'était qu'une partie d'une cargaison plus importante. Une autre partie a été convoyée en Zambie à un certain Dédé Makaba, un chef tribal angolais et criminel de guerre. Il a passé la frontière zambienne pour tenir boutique au beau milieu d'un camp de réfugiés. L'une de ces cargaisons est en cours de transit. Votre mission consiste à en identifier l'origine. Utilisez Makaba pour y arriver. Notre fenêtre d'intervention est étroite. Vous devrez opérer de jour. Un contact local vous introduira dans le camp. Trouvez Makaba et identifiez son fournisseur. Chores. Ei, Che, tenha calma. Tenha calma! Ah! Malandra! A ton signal. En silence. Hunter ici, Overlord, en rapport de situation. Overlord, Hunter est en place. On est prêt à y aller à votre signal. Bien reçu. L'objectif est de localiser et de récupérer la cargaison d'armes de Makaba. Et Makaba ? Secondaire, ce sont ses fournisseurs qui nous intéressent. Reçu, Hunter terminé. Quand on passe, on dirait. Vers le puits. Deux autres en visuel. En voilà un autre. Là-bas, près de l'épave. En voilà un autre. Stand by. J'attends le signal. Tu es prêt. Et deux. Il nous faut un visuel du camp pour évacuer l'ennemi. Avec moi. Qu'à moi activer.
le combat. Je suis prêt à miner. 3 devant, face contre terre, on y va en rampant. Non, impossible. J'en vois 2 autres. Ok, ça doit être bon. Esses setores mantêm assim em ordem. On risque de le rater. Encore plus si on entre là-dedans en aveugle. Overlord, Hunter, il nous faut un relevé satellite du camp. Reçu, Hunter. On vous transmet ça sous peu. Ce camp est une véritable poudrière. Parler d'une crise humanitaire, c'est encore bien loin du compte. La clique de Makaba a la haute main sur tout. La nourriture, l'eau, les fournitures médicales, et j'en passe. Ce qui leur échappe encore, ils le contrôlent par la peur. Voilà notre homme. Dès que vous serez infiltré, suivez-le comme votre ombre. Il vous guidera jusqu'à la cargaison. Makaba tire toutes les ficelles, d'une façon ou d'une autre. Le nœud du problème, c'est Makaba. Il est votre priorité absolue. Reçu, Overlord. Combien de temps avant infiltration ? Votre contact est déjà sur place. Il a tout intérêt à se faire discret, mais évitez d'attirer l'attention sur lui. Il risque sa vie pour vous infiltrer sur les lieux. Bien su. Je vais au point de ralliement. Chef ? Ouais, je les vois. Va falloir qu'on s'en occupe. Mais on va devoir faire ça bien. On les aligne, on attend et on tire en même temps. Prêt à tirer. Prêt à tirer. Et de 4. Je suis prêt. Prêt à tirer. Volonté. Rechargement. C'est bon, tout va bien. Tout le monde à bord. Allez. Venez, il faut partir, vite. Une tempête se dirige vers vous. Traînez pas. Bien sûr.
c'est pas notre genre. Ça fait deux cibles.
prêt à virer. Trois cibles. À ton signal. Paré à tirer. Feu à volant. Mobile vers position. Quem é a segurança da pista de aterragem? Cadê? Não sei. Não tratamos disso. Ah, não tem desculpas. Eu não confio nesses sul-africanos. Arranje alguém que os mantenha debaixo dos olhos.
Manda um guia guarda pessoal nos acompanhar. Ah, trata tudo disso! Anda! C'est bon, on repart. Encore combien de temps? C'est sans importance. Je peux encore annuler le virement. La marchandise ne correspond pas à ce que j'ai demandé. Ouais, ouais, bien sûr, je vous l'ai dit. Dites pas de conneries. Mes hommes font le pied de grue pour décharger la cargaison. Faites atterrir l'avion, on s'occupe du reste. Overlord, on dirait qu'ils attendent toujours les armes. Bien reçu, Hunter. Il y a une piste de décollage à côté. On va tenter de la couvrir. Qu'est-ce qu'on fait pour Makaba? Éliminez-le maintenant. Ça nous évitera de revenir. Bien sûr, Overlord. Deuxième cible. Prêt à tirer. En stand-by. Feu à volonté. Je recharge. Fais gaffe, ils battent de ton côté. Deux autres en visuel. Où tu les vois? Alerte à 9h. Deux ennemis. Un de plus. J'attends ton signal. C'est bon. Récupérer son plan de vol. On saura d'où il vient et peut-être où il va. Bien vu, Kozak. Overlord, changement de plan. Hunter a un nouvel objectif, la boîte noire de l'avion cargo. Reçu Wayfor, Hunter. Il faut faire vite, la tempête approche. L'équipage va sans doute vouloir redécoller avant qu'elle s'abatte sur eux. Bien su. Sans vouloir vous manquer de respect, chef, on ferait mieux d'y aller en douceur. Déstress, on n'a qu'une vie. Justement, sorti. Je tire foutrement à Barreau. Ça me plaît pas non plus, Pepper. Mais c'est pas nous qui décidons de l'emploi du temps. Bien compris. On y est, messieurs, agressivité et précision. En avant, gosse. En couverture! Il va se cracher derrière le corps!
cible abattue. Il nous reste combien de temps avant la tempête? Pas assez.
Hunter, l'ennemi s'est déployé sur le site du crash. Ouvrez l'œil. Bien reçu, on s'en charge. Je me camoufle. Le gros de leur force n'est pas là. Si on les attend, ce sera encore plus la merde pour contrôler le site. Feu ! Ennemi, trois devant. Il y en a combien ? En stand-by. C'est bon. Deux autres en visuel. Là, premier record. On m'investe. Un de moins. J'en ai deux. C'est bon, sois dégagé. Faut que je recharge. Déjà retourné au turbin. Le nouveau matos est arrivé? Tout est prêt. Le briefing de la mission est relayé sur votre tablette. Nos services de renseignement ont décodé la boîte noire récupérée en Zambie. Et ils ont identifié plusieurs sites d'expédition au Nigeria. Récemment, le delta du Niger a connu une recrudescence d'activité. Un agent de la CIA est déjà sur place pour contrôler une SMP qui opère dans la région. Watchgate prétend qu'elle menaille ses services de sécurité aux compagnies pétrolières. Mais c'est qu'un écran de fumée. Elle pille les raffineries et rançonne les villages. Elle fragilise une région déjà instable. Nous voulons savoir pourquoi. L'agent de la CIA, l'officier Dan Sykes, a transmis un premier rapport de situation. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Langley a tenté de rétablir le contact sans succès. Le pire est à craindre.
Notre mission consiste à localiser puis à exfiltrer l'agent Sykes, ou son corps.